Et donc, nous voilà partis au trésor de Le trésor de Neptune. Le trésor de Neptune. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, faut qu'on prenne notre voix des années 60. Comme d'hab, les petits conseils... Sauvegarde en cours. Les petits conseils lors des sauvegardes. Mais c'est très sympathique cet accueil. Donc nous voilà au trésor de Neptune. C'est lui qui a bâti cette ville, et c'est lui qui est en train de l'amener à sa perte. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Il a peut-être perdu la tête, ou la soif de pouvoir la consumer. Ou alors, il s'est découvert une vocation de misanthrope. On peut tirer des plans sur la comète pendant des heures. Toujours est-il que des braves gens sont morts. Ma famille se cache dans un sous-marin, dans les pêcheries fontaines. Nouvel objectif, aller aux pêcheries fontaines. Donc là, bah voilà, tiens, ça c'est un autre... type de protecteur. C'est ça, tout à fait. Et donc voilà le Génotech, donc qui permet en fait de modifier directement ce que nous avons sur nous. De modifier nos plasmides. C'est un peu ça. C'est une musique de carrousel, quoi. Ah, c'est un truc de petite sœur. Ouais, abandonné là. Et donc ici, on a trois petites sœurs à récupérer. Ah. Hello. La sécurité est l'affaire de tous. Okay. Cette année, deux accidents. Qui vient ramper dans mon jardin? Ouais. Pas vrai, c'est pas nous. Je vois pas de quoi vous parlez. On va me pirater pour être tranquille. On va prendre ça. Ça. Faudra une barre. Il nous faudrait en haut. Parce que sinon on peut faire ça. Oui. Voilà. Voilà. Je regarde un peu ce que j'ai là. Et tout droit, mon capitaine. Et on est bon. Santé maximum. Oh. Oh. Et ben on voit un nouveau. La zone est pas fifole. On va voir. Ça c'est par là qu'il va falloir aller de toute façon. Là on voit qu'il y a un plasmide juste ici. Un plasmide ou un renforcement. Wow, c'est quoi cette espèce? C'est parti, mesdames et messieurs, pour... Je crois que les anti-personnages, c'est pas trop mal sur eux, mais... C'est parti. Non, anti-personnel, ça marche pas très bien sur eux. C'est compliqué, hein. D'accord, bah... Non, pourquoi. Eux, je crois, ils sont quand même vachement plus costauds. Ouais, c'est bon, les ennemis, c'est bien, mais aussi... Oui, parce que, voilà, les ennemis vont nous tirer dessus. C'est parfait. C'est bien, aidez-nous, c'est bien, moi j'apprécie. On a un gros Mali, incroyable. Bah ça alors. On va la sauver tout de suite, comme ça c'est fait. On est au milieu des tirs. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe! Tu as fait preuve de bonté envers mes petites protégées. Mais c'est vraiment notre ami. En tout cas, une petite sœur te fait un cadeau en gage de reconnaissance. Ok. Ah, Thémo veut vous récompenser.
Il y aura un nounours. Il y aura un nounours. Ah. Bien de se faire descendre. Donc vous allez voir que mourir, c'est pas très grave. Effectivement. Voilà, on revient en fait ici. Et voilà. Pas très pénalisant. Oui, on garde la petite sœur, on perd rien. En fait. C'est juste qu'on doit refaire le chemin. Mais bon, c'est pas trop grave. Ça. Hop, je vais utiliser ça. C'est pas grave. C'est bon, non, putain, est-ce que t'as pas... Mais purée ! Ah putain, mais voilà, c'est pour ça que je me fais DF, en fait. Il y a une arnaque, là. Crève, toi. On s'est fait massacrer par derrière, là. C'est pour ça, aussi. Oh, faut toujours fouiller un petit peu, hein, vous voyez. Elle était bien cachée, n'empêche, cette tourelle, là. J'avais complètement oublié qu'il y avait une tourelle ici. Les caisses de poissons. Oui, parce que c'est la pêcherie ici. Oui. Le trésor de la thune. Bon, tu nous en dis. Attendez. On arrive. Petite décharge. Hop là. Hop. Alors, c'est parti. Un truc qui tourne, voilà, comme ça. Parfait. Et ces blocs-là, déjà? C'est les blocs alarme. Et les blocs rouges, ça, si on les touche, ça nous fait des dégâts, en fait. Et ça nous fait sortir du truc. Donc, faut recommencer. Ouais. Mettre ça comme ça, ça va ralentir un peu. Ce que je cherche, c'est ça. Ok, nice. Ensuite, est-ce que je vais avoir un autre? Je suis embêté. Non, voilà. Oh, ouais, il y avait celui-là. Ouais. Nice. Et voilà, on est bon. Youh, comme ça. Ah, doit avoir un ennemi quelque part, parce que ça tire dessus. Et là, il y a... Qu'est-ce qu'il voulait ? Ah oui, c'est vrai. Ryan nous a demandé d'installer une sorte d'appareil génétique à l'intérieur pour que lui et son cercle puissent être les seuls à pouvoir les utiliser sans autorisation. Les gars me disent que les clés ne sont pas vraiment fiables. Ses sœurs, ses cousins et tous ses proches génétiques pourront aller et venir comme bon leur semble. D'accord. Et Medipraxis. Avec Medipraxis, vos trousses de soins seront plus efficaces et soigneront les maladies et les blessures à une vitesse ébouriffante. Medipraxis. Le meilleur allié de vos trousses de soins. Donc ça augmente en fait l'efficacité des trousses de soins. D'accord. Donc, on va le mettre vu qu'on a de la place. Tiens, il y a de l'argent. Ah oui, bien sûr, quand t'es vivant et qu'il y a un ennemi, tire un peu au pif là. Mais c'est top! J'ai rien à chauffer. Vous voyez que ça peut aller vite, hein, de perdre de la vie. Surtout si on fait comme moi, qu'on joue très corps à corps. Ouais. C'est ça le truc. Ça va, heureusement, t'es quand même gavé en arme à feu. Et je crois qu'en... Oui, en argent, je suis à fond. Pour le moment, c'est 500. Voilà, super. C'est 500 balles, Max. C'est ça. C'est ça que t'allais dire. Oui. Il y a moyen d'augmenter notre porte-monnaie. Je sais plus si le porte-monnaie, on peut l'augmenter. Ça, je sais plus. C'est une bonne question, je ne sais plus. Alors, j'ai pas du tout attrapé ce que je voulais attraper. Bonjour. Le pêcheur, là, c'est quoi ça? Le pêcheur. Le pêcheur, quoi. Oh, ça clignote ici. Bon, attends, parce que là on s'éloigne, mais on voit pas où il faut. Là.
Ça me tire dessus. De là-haut. Il y a un poisson. Oh, le pichon. C'est normalement, c'est par là qu'il faut. Merci, monsieur. Ah, bah voilà. Merci de nous avoir sauvés. Donc voilà, donc quand on sauve les petites sœurs, on a un nounours. Avec 200 d'abord. Un plasmide. Et des mini. Et des munitions. Besoin d'un garde du corps instantané, votre nouveau plasmide gardien trompera un protecteur qui vous protégera comme si vous étiez sa petite sœur. Donc ça, ça peut être pas mal. Oh, on a récupéré 200. Donc voilà, donc en fait sur la finalité, tu vois, on vient de l'avoir. Sur la finalité, il vaut mieux les sauver. C'est ça, tout à fait. Ben oui, peut-être qu'on récolte beaucoup plus. Oh, et il va se calmer, peut-être lui, peut-être qu'on obtient beaucoup plus en les tuant. Mais c'est sur le coup, en fait. Oui. Ça dégage. Non, mais putain, c'est pas possible, mais on peut pas avoir la paix de ce monde, quoi. Dégage, toi. Non, mais... Oh. Bon, alors, là, vous voyez... Paf. Oh, wow. Là, il y a beaucoup de trucs. Donc, il y a un nouvel emplacement de plasmide. Il y a amélioration de santé et d'Ève. Donc le rage de nouveau. La rage. Le stentor sonique qui repousse les créatures et les objets grâce à une onde de choc. Le leurre qui crée un leurre qui détourne les attaques qui vous visaient. Les éclats cryogéniques. Ça j'aime bien. Mm-hmm. Ça permet de geler les ennemis en fait. Liaison d'Ève, le retour. Vous récupérez quelques points de santé avec les encas et les pansements, donc en plus. Ah, j'aime bien, oui, ça va te donner le plasmide de glace, en fait. Oui, et on a tueur de machine qui augmente les dégâts sur les caméras robots et tourelles. Moi, je récupérerai un emplacement. Moi, ce que je propose, c'est qu'on récupère, donc, bien sûr, l'emplacement. Et du coup, j'aimerais bien qu'on prenne... Et on va prendre... Ouais. Cryogénie. Sorti par une petite vidéo. Gelez vos ennemis! Brisez-les en 1000 morceaux! Merci. Enfin, j'adore en plus l'effet visuel de la main quand tu On peut re-acheter un emplacement si on veut. On est riche. Il y a des emplacements, mais on va prendre les améliorations. Ah ouais. En sachant que, vous voyez, il n'y a pas l'autre emplacement d'Ève. Donc en fait, il faudra revenir sur l'autre pour pouvoir l'acheter. Ouais, chaque station est unique en fait. C'est ça. Oh, j'adore. Donc voilà, donc le... Le plasmide de glace. Le plasmide... Éclat cryogénique. J'adore l'effet sur la main. C'est un peu cracra, mais j'aime bien. Mais on va voir si on n'a pas un ennemi là qui traîne sur lequel je... Vous voyez que notre personnage, c'est bon aussi effet. Hein, plasmide. Il a plus envie de se foutre en l'air dès qu'il s'injecte un truc. Hein. Vous pouvez comme ça geler l'ennemi et le briser en morceaux. D'ailleurs, ça c'est pareil, on le voit plus s'injecter le plasmide directement. Non, oui, bah ça c'est vraiment au début pour... Pour montrer que c'est pas ouf. c'est pas très ouf ça, quand tu te fais... Ce que ça fait. Donc là, vous voyez, il y a plein de trucs, mais il y a... C'est bonne ambiance. Il y a un code. Alors, soit on peut le pirater, tout simplement, soit on peut le saisir, donc on va le pirater. Mais après, les piratages de ça, c'est beaucoup plus difficile. Yes. Donc il faut... On est sur un petit puzzle, et ça va vite. Quand même. Et encore, on a le truc qui ralentit, hein, je rappelle. Hein. Oui, voilà. Donc ça aide quand même assez beaucoup. Complexe. Il faut que ça monte obligatoirement. Pas le choix. Voilà. Et... Nice. Parfait. Voilà, parce que ça, normalement, bah, c'est des trucs un peu plus difficiles et un peu plus compliqués. Et donc, on a un cassettophone. Celui-là, le retour. Si tu nous donnes Fontaine et sa bande, il y a une Bible. Tu seras bientôt en train de siroter une pinte au Fighting McDonald's. Mais si tu fais ta tête de mule, on te traitera comme une mule. Donne-lui un avant-goût, Patrick. Non, j'imagine que c'est le pauvre gars qui est là. Comment ? On a changé d'avis, Timmy ? Timmy, tu vas parler maintenant ? Vas-y, Suliman ! Continue ton sale boulot ! Brian, il me fait pas peur ! Fontaine a les moyens de me faire bien pire que tout ça ! C'est un gentil, Suliman.
Ouais. Il y a que des ordures, c'est incroyable. Oh. Oui, bonjour. Non, on le fait. Oh. Enfin, il y a là... des ordures. Non, il n'y a pas que des ordures. Il y a un petit problème, là. Mais Alain Suchong, on a vu qu'il avait pas l'air très non plus très sympathique. Tannenbaum, finalement, c'est celle qui a l'air la plus amicale. Et encore. Et encore. Et encore, parce qu'elle a créé des petites sœurs, quand même. Donc, voilà. Elle a quand même fait des trucs assez inhumains, assez cracra. En fait, c'est quoi, que j'ai dit, encore. Si, je l'ai utilisé tout à l'heure. Excuse-moi, j'ai trop concentré sur autre chose, je sais pas. De toute façon, on va le revoir. Hein, ouais, oui. Alors après le truc c'est que la cryogénie ça bouffe beaucoup de je sais plus si ça bouffe beaucoup en vrai. Je bois un petit whisky. Allez, un petit whisky, je suis pas mal. J'allais dire oui non. Tannenbaum c'est celle qui est la plus amicale mais elle a quand même fait des trucs horribles. Et Atlas, on ne sait pas encore très bien, ça semble être notre seul allié dans ce jeu, mais il a une moralité. Voilà. Lui, il est pour buter les petites sœurs. Déjà. Non, ça, je peux pas le récupérer, c'est trop loin, je sais pas. Il veut pas le choper. Donc, il essaie un peu de semer la discorde entre Tannenbaum et nous. C'est ça. Bon, on va suivre le. Mais bon, en attendant, Atlas, pour l'instant, il nous aide, mais il nous aide parce qu'on doit l'aider à retrouver sa famille. Donc, à voir par la suite, hein, mais. Après, il nous aide depuis le début. Oui, certes, mais toujours dans l'objectif de. De retrouver sa famille. Bonjour. C'est magnifique. Fontaine. Mais avant, un piratage. Piratage de cet appareil, vous allez voir pourquoi. De cet appareil. C'est un appareil qui nous lève du coup, c'est un appareil. C'est un appareil. On est parti sur un chemin compliqué là. Bah deux et deux, t'en as deux d'un côté. Bon bah dis-le si tu veux pas prendre les pièces que je te désigne. C'est bien que je sers à rien dans les pièces. Oh. Il y a plein de choses. Waouh. Ah on est encore full en live, nickel. Et donc. Bonjour. Atlas a appelé. Domino's Pizza. Il a dit que vous aviez besoin d'entrer dans les pêcheries. Pour moi, c'est une sottise. Mais si vous allez dans le bureau du capitaine et que vous trouvez un appareil photo de recherche pour Peach, je pourrai m'arranger pour vous faire entrer. Qu'est-ce qu'il a fait là, Peach ? C'était quoi ? Mon ami, vous êtes fichu. Donc, voici un style de chrosome qu'on va rencontrer assez souvent. Là, qu'on va rencontrer de plus en plus souvent maintenant. Ça va être les chrosomes. Voilà, qui sont un peu plus. Souple. Un peu plus hargneux. Voilà, donc là on se fait aider. C'est le mec qui était derrière la porte. D'accord. Et qu'est-ce que Peach fout là ? Because Peach. Notez bien que Peach est à l'air absurde. Celui-là est trop coriace pour vous. Ah bah oui, Peach. Peach Wilkins. Maintenant, allez chercher l'appareil et prenez des photos de ces sales bestioles accrochées au plafond. Après, vous pourrez entrer dans les pêches. Ok. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. Si je sens l'odeur de fontaine sur vous, vous finirez dans une boîte. Atlas répond de vous. Cependant, c'est pas parce qu'il me fait son numéro que je vais me laisser endormir. Et donc, nous obtenons une nouvelle arme. Terrifié comme un môme par des fantômes. Fontaine est mort, tout le monde le sait ça.
des mois qu'il pourrait s'y pied sous terre. Mais il sursaute encore, croyant voir son ombre. Même Ryan, vous imaginez? Bon, ça n'a pas d'importance. On a du pain sur la planche. Donc, on a obtenu le lance-patate. Alors là... Donc on va le garder pour le moment, parce qu'on n'a pas beaucoup de munitions. Regarde, c'est magnifique. Hop là, ça faisait longtemps. Cette électrocution, là. Hop là. Tout doucement. Avec délicatesse. Carbonisé de l'intérieur, mais avec délicatesse. À vendre le débris. On va en profiter. Bon, en vrai, je peux rien acheter. Parce que je suis à fond, partout. On joue comme des... On joue comme des... Oh, oh. Bonjour. C'est un autre type? Ou c'est encore c'est un... celui de... Non, c'est celui de tout à l'heure. C'est qui m'emmerde? Mais c'est lui, là. Il est là. Alors, je peux le geler, hein, mais vous allez voir, en fait, quand on gèle un ennemi, en fait, vous voyez que sa barre de santé va... Ah oui, lui, il peut balancer les grenades, c'est vrai. Ouais, le... C'est vraiment hyper simple hein, les combats contre les Frankenstein. Hein. La petite sœur, elle en a pris plein le cul. Ding ! La plus chère, incroyable. Allez, allez, bientôt ! Allez, on l'achève ! The good ! Hop là ! T'inquiète, petite fille ! Ça va bien aller. Merci. Qui m'a sauvé la vie. N'est-ce pas? Non, on va la voir partir là dans le. Non, non, non. Qui a fait? Vas-y. Let's go. Mais pourquoi elle est partie par là alors qu'il y en avait un d'autre? Bah oui, attention, une truite. Elle va où? Ah là. Let's go, allez, vas-y. On veut te voir rentrer dans ta cachette. Je veux aller au dodo, monsieur P. Allez, vas-y. Allez, petite fille. Eh, bé. Bon, elle rentre un peu dans le mur. Hein. La moitié buggée, mais c'est pas grave. Et ça va, la truite? Ça va. Ça fait trempette. Ça va. On essaie de venir d'aller bientôt. La truite va bien pour le moment. Attention, il y a une grenade. Oui, je vois ça. Ça serait bête de marcher donc dessus. Cette hein. Porte, c'est ouverte. Oh, bon. Super, une seringue qui traîne par terre. C'est vraiment trop bien. Cassez-vous, quoi. Oui, littéralement. Cassez-vous. Ouais. Si vous voyez, on peut. Et on voit. Putain, mais on nous en veut. Je crois que lui. C'était magnifique. Il s'est senti mal là sur la fin. Je crois que ça me ramène. C'est où on était tout à l'heure. Ouais, ok, donc let's go. Poursuivons notre route. Ah, magnifique. Encore une seringue qui traîne par terre. Toujours prendre les seringues qui traînent par terre. Bien sûr, bien sûr. Un truc par là. Surtout qu'on a... Putain, les combats contre les protecteurs, on prend cher. Ah, oui. Un petit cassettophone planqué. Oh, Andrew Ryan. Ah, lui, il s'est fait... J'investissais dans le poisson. Il accaparait le marché des génotypes et des nucléotides. Oui. Rapture se transforme sous mes yeux. La grande chaîne s'écarte de moi. Il est peut-être temps de tirer dessus. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? C'est fait jeter un...
Une seringue sur la tête. Vous faites du théâtre? Vous êtes en pleine répète? Allez. Un portefeuille déjà plein. Zut, on peut même plus prendre de l'argent. Donc là, on a eu notre deuxième petite sœur de la zone. Il en manque une, c'est ça? C'est ça, tout à fait. T'as juste besoin de zioter vite fait le menu pour savoir. Oui. Ah oui, c'est ça. Ok. Ok. Alors, allons par là. Ah, alors ça c'est... Et... Une mine. Bon là, je peux pas prendre ça, c'est trop plein. Bonjour. Ok. Ouh. Voilà. Hop. Une petite... Ah, t'as une jambe. J'ai vu un contrebandier jouer à la base au Caire. Ah bah il est là, tiens. Mais please. Du coup, je suis pas du tout concentrée sur ce qu'elle raconte. Ouais, moi non plus. Mais... C'est par bonheur, il l'avait. La fameuse limace. Il est là, notre troisième protecteur. On va le désinguer. Il va nous désinguer. Ça dépend comment on se place. La petite sœur, elle a... Vas-y, monsieur P. Attention. Merci, thanks. Oh le... Oh le bord. Ah. Oh le débord. Loupé! Échec! J'ai dû essayer avec le flingue, mais... Non, c'est pas assez... Ce n'est pas assez puissant pour... Voilà, c'est pour ça que je l'avais piraté celui-là, parce que comme il y a une vita chambre juste à côté, comme ça on se régène direct, on va utiliser un peu le... Voilà. On a plus une thune. Voilà, j'ai bouffé mon argent. Fallait l'utiliser. En achetant des trucs intéressants ou juste pif là? De toute façon, hop, voilà, si vous voulez de l'argent. C'est pareil, les protecteurs ils vont aussi bien servir pour ça. Ils sont blindés. Parce qu'ils sont blindés de fric. Une seringue. Vous allez bien, monsieur? Give me the seringue. Je voulais voir s'il y avait encore le corps de l'autre. Mais c'est pas possible! Ça va pas très fort. Tu vois les truites qui sautent comme ça là. Donc voilà, donc ça c'est celui de tout à l'heure, mais que bah lui il en a plus en fait. C'est lui en fait. Du quoi il en a plus? Mais il a plus de petite sœur. Il s'est relevé. En fait, il y en a un autre. Ah, c'en c'est un autre, que, mais... En fait, les points de spawn, je veux dire, des protecteurs sont fixes. Lui, j'en ai. Lui, c'est notre copain de tout à l'heure. C'est celui de tout à l'heure. La revanche, c'est maintenant. Ah, on va moins rigoler, là, monsieur. Là, il y a un pompe. Aïe. Ok. Ok, je plaisante. En fait, le truc, c'est... Voilà. Et voilà, on va... On va attendre qu'il marche dessus. Attends, il va se rapprocher, normalement. Alors, il s'en fout. Il s'en fout. Il est mort. On l'a eu. Non. Voyez, elles ont toutes une apparence différente. Elles ont des couleurs de robes différentes, des cheveux différents aussi. Merci, monsieur. Ne marche pas dessus, sinon tu vas exploser. Allez, petite.
Regarde, c'est juste en face. Let's go. Tu vois, l'argent, là, je me suis déjà refait 100 balles. Super rapidement. Oh. Aïe. C'est une tourelle, je pense. Ah, on celui-là. Soit Ryan descend Fontaine, soit Fontaine descend Ryan. On va interroger ce pauvre Timmy près des pêcheries, si vous avez envie de vous amuser. Ah ouais, tu vois le code ouais. Qu'on avait ouvert tout à l'heure. On l'obtient ici. Si vous n'avez pas envie de pirater, voilà, il faut atteindre cette zone pour voilà, pouvoir avoir le code et y retourner ensuite. Ça, c'est la première fois qu'on la voit. Maïskalutz. Les hommes de Ryan t'ont emmené parce qu'ils avaient besoin de toi pour sauver Rapture. Comment pourrais-tu sauver une ville? Je vois des fillettes sortir des aérations. Et je veux que toi aussi, tu le feras peut-être un jour. Et que tu trouveras ce mot. Nous te cherchons. Mais si tu trouves ce message, rejoins-nous au Fighting McDonagh, chambre 7. Le code. Ça fait deux fois qu'on entend parler du Fighting McDonagh. Le code de notre porte est 7533. Oui, parce que figurez-vous que les petites sœurs, c'est des petites filles normales de base. Donc des enfants qui ont été enlevés pour servir de cobayes, en fait. Ouais, ça marche pas. Donc 7533 hein, pour le code. Jamais je me rappellerai d'ici notre prochaine session. Ça, c'est pas grave. Il y a une caméra quelque part. Ah, elle est là. Mais ça, c'est les panneaux de sécurité, c'est pour désactiver les alarmes, ça. D'accord. Que tu peux aussi pirater, n'est-ce pas? Non, parce que ça sert vraiment que... D'accord. Allez, tchuss. Ah, un autre petit enregistrement. Andrew Ryan, le retour. Fontaine de près. Il n'était naguère qu'une menace qu'il suffisait de convaincre et de pendre. Et il s'arrange toujours pour ne jamais être là où sont les preuves. Il fait partie des escrocs les plus dangereux. Ceux qui ont une vision. Ça t'embête. Bienvenue à la farandole des bruits. Bienvenue à la farandole des bruits. On peut acheter de... On va prendre des soirées. Et pareil, il y a des objets que l'on ne peut acheter que si on pirate. Donc là, par exemple, si on veut acheter des munitions pour pistolet... Comment tu te forces ? C'est impressionnant. Des munitions, vous entendez bien, munitions. Non, merde. Ça fait pas très naturel, mon cœur. M'en fous. M'en fous. Oh, Alors, oula, celui-là il est un petit peu plus chargé en choses. Ça manque du son de la mort de Sonic sur ces passages. Tu rajoutes ça, ça serait incroyable. En fait, des fois mon cerveau il bug, il y a tellement de trucs, j'ai du mal à voir. Ce que je cherche des fois. Faut que t'aies le temps de recomposer dans ta tête ce que tu dois faire. C'est ça. Où est la sortie? Elle est là. Ouais, ça, sur ça, les sorties, c'est bien, ça bouge jamais. Donc. Ah non, mais j'en avais plein. Mais tu vois, je les ai pas vues en fait. Dans mon cerveau, j'étais en mode. Oh, putain, j'en ai Moi, plus. Moi, je dis plus rien parce que tu t'en fous. J'en ai plus. Mais t'aurais pu le dire. Ah non. La dernière fois, t'en avais rien à faire. Donc. Même pas gentil. Même pas m'aider. Des bibles encore. C'est très la Bible. C'est très la Bible, ouais. La capitainerie. En même temps, la place. Ressemble à ceux que vous avez à la surface. D'après un article dans un magazine que j'avais emprunté, il peut aussi enregistrer des informations génétiques, analyser les structures biologiques et beaucoup d'autres choses très compliquées. C'est un sacré bordel. Ça, c'est de l'appareil photo de pointe. Ça fait tout ça. Bah, bien sûr.
Couché. On va le pirater celui-là, parce qu'il est un emplacement, on va dire, intéressant. Oui, intéressant. Ah. Il est bien. En plus, de toute façon, je vais pas avoir le choix. Il est là. Ouais, j'avais vu, mais au dernier moment, une fois que j'avais chopé un truc. Pourquoi j'essaye? Ah, on va finir sur un... sur un zigouigoui. Et voilà, ça marche. En plus, faut utiliser de l'argent avec ça. Comme celui. Oulala, mais c'est le bazar! On se calme! Hello! Vas-y, tire mon tube, vas-y! Vas-y, encore! Allez hop, retour à l'envoyeur. Ok! Et B, on s'est fait. Alors, on se. Se fait déboîter, hein. Ça devient. Une petite douche. Ça devient dangereux. Petite douche. Ça devient très dangereux. Voilà. Et on est bourré. J'ai bu un petit peu trop. C'est génial. C'est très chiant parce qu'il y a l'autre qui me tire dessus en même temps. Voilà. Là, il y a un petit chemin. Oui, ça nous ramène. Juste en dessous. Hop, en plein saut. Hein. Le petit saut pour atteindre le truc. Il s'en va vers le ciel, la canalisation. Putain, non, j'ai pas ce qu'il faut, voilà, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On va mettre ça. Mm-hmm. On va mettre ça. Ouais, je peux mettre ça. Faut juste espérer avoir d'autres morceaux suffisants, quoi. Tac. Ouais. Tac. Et celui-là. Nice. Quel chemin. Hop là. On fait le tout lourd. C'est ça. Alors, cette porte-là, elle est bloquée. On peut pas l'ouvrir. Ouh. Il y a un lance-grenade. Il y a un journal. Il y a un... Sylvain. Maintenant, nous en sommes donc arrivés là. Je suis pas celui qui dicte les lois ici. Je ne fais que les appliquer. Mais je ne suis pas venu à Rapture pour pendre des contrebandiers. Si Ryan et ses hommes veulent vraiment appliquer leurs lois, je leur rends mon insigne. D'accord. Je vous rends mon insigne. Donc, Sullivan, c'est le flic, en fait. C'est ça. Ah, on n'aura pas le choix, faut qu'on passe par là. Donc on va faire tac, tac. Toc. Tac. Toc. Please. Toc. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Oh, ça, c'est pas mal. Et des trucs très intéressants dans ce cas. Nous revoilà. Donc là. Dans cette zone de la galère. Donc là, on peut ouvrir ça. Mais on va fouiller un petit peu avant. Ah, il y a un ancien. Il y a un protecteur décédé. Ouais, il avait plein de choses sur lui. Ouais. Thanks. C'est vrai qu'on en a besoin. Merci. On est un peu léger niveau santé. Je le pense pas. Je veux pas me laver les mains 3 fois de suite. Ça a aucune incidence en plus. Ça a aucune incidence. Non, ça y est. Le retour des ennuis. Tu te calmes. On va le détruire, je pense. On est tranquille. Ah, il y a des petites choses cachées ici. Ah. Quelqu'un qui chante. Quelqu'un qui... Oui, oh là. Bah ouais, il y a quelqu'un qui chante. Help me.
Je suis malade. The Bible. La suite, c'est par là. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est un peu ça. Donc là, on a une génothèque. En même temps, est-ce que c'est si étonnant on que a ça une de... jardin... Il y a un jardin de glaneuse ici. On veut l'atteindre. On veut l'atteindre. On veut le jardin des glaneuses. Je regarde juste. On veut le jardin des glaneuses, j'ai dit. Enfin, comment on fait pour l'atteindre, celui-là? Ben, je sais pas. Alors, soit il y a un chemin du coup. Il y a... Oui, il y a peut-être un... Attends, il y avait peut-être un chemin que j'ai pas vu ici, en fait. Non, c'est bouché. Ou alors... Faut tout casser? On peut détruire ça. Attends, j'essaye, hein. Non, ça, ça bouge pas. Attends, je tente. Hein. Oui, vas-y, hein. J'ai pas trop de souvenirs de ce coin-là, donc... ou alors c'est juste on va faire le tour et on va atteindre cette zone à un moment. Oui, peut-être, sinon on est trop impatient. Bah ouais, mais bon, je sais pas. Moi, il y a un jardin des glaneuses. Bah ouais, je vois un jardin de glaneuses, moi. Jésus, je le sais. Bando. Même tout au fond de l'eau, il voit tout et c'est tout. On se fait un petit film. Ah bah le blanc. Tac tac. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer? Non. Donc l'appareil photo. Donc ça c'est une autre mécanique. Donc prenez vos ennemis en photo avec l'appareil pour effectuer des recherches. Chaque type d'ennemi confère des bonus de recherche spécifiques. Essayez de prendre une photo de chrosome. Du chrosome de l'autre côté de la vitre en gardant le sujet bien centré et assez près. Donc voici un chrosome plafonnier, hein, c'est celui qu'on avait essayé de combattre tout à l'heure, mais qui était trop fort. Et donc quand on fait une photo, on augmente donc une petite barre, et en fait, il y a des niveaux de recherche, et plus on a de recherche, plus on fait de dégâts, où ça va nous donner en fait des bonus. Voilà, ça nous donne divers bonus. Et donc là, en fait, le premier bonus sur celui-ci, c'est de faire plus de dégâts sur les chrosomes plafonniers.